Bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien le PMU ? Oui, c'est ça, oui. Monsieur Martin, à l'appareil, j'ai parié avec mon beau-frère que j'avais gagné 200 euros au loto. Oui. Mais alors problème, j'ai perdu. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que je viens avec lui. Oui. Et vous, vous faites comme si j'avais gagné et vous me filez les 200 balles. Ah oui, mais si le ticket n'est pas gagnant, je vais pas vous donner 200 euros. Non mais c'est ça la ruse. Vous, vous faites comme si le ticket était gagnant. Oui, mais je vais pas vous donner l'argent. Bah si vous me donnez pas l'argent, c'est louche. Bah oui, mais c'est, enfin, je veux dire, c'est logique que je vous donne pas d'argent si c'est pas gagnant. Oui, mais c'est pas logique de pas me donner d'argent si on a dit le contraire à mon beau-frère. Oui, mais ça c'est pas mon problème. Vous faites un pari avec vos potes. Je vais pas vous donner 200 euros et moi je fais comment dans la caisse? Oh bah vous pouvez prendre 4 billets de 50, par exemple. Allô ? Bonjour monsieur, ouais, comme je disais, faites au plus simple, hein. Si vous préférez, vous me faites un chèque. Non, certainement pas, non ? Ah oui, mais alors comment on fait pour arnaquer mon beau-frère ? Ah ben, vous vous débrouillez ! Ou alors, vous me refaites mon ticket de loto ? Je vous le refais et puis, vous n'aurez quand même pas gagné ? Bah si, parce qu'à la place des mauvais numéros, vous remplacez par les numéros gagnants. Bah, je les ai pas, moi, les numéros gagnants ! Ah ouais ? Et dans ce cas, comment vous faites pour savoir qu'on a les bons numéros ? Bah, c'est avec votre ticket ! Et puis, eh, hey, ça va, en plus, les 200 balles, c'est même pas votre argent. C'est pas mon argent ? Bah non, c'est l'argent du loto. Bah si je vous donne 200 euros, c'est quand même bien mon argent. Oh là là, bah si c'est comme ça, je peux vous rendre plus tard, hein, on peut s'arranger. Allô ? Ah, bah bonjour madame, pardon, il y a un petit souci avec votre collègue. C'est ma mère, mais... Ouais, bah il chipote pour 200 balles alors que c'est même pas votre argent. Mais de quoi c'est pas mon argent ? Mais vous l'avez pas... Mais vous êtes vraiment dans une autre planète, hein ? Pas du tout, non, là je suis à Martinville, pourquoi ? Bah si vous avez pas gagné, je peux pas vous donner 200 euros, monsieur. Non mais c'est bon, de toute façon, je vous les rendrai plus tard. Mais vous me prenez pour un lapin de 6 semaines ou quoi ? Un lapin qui parle, ça m'étonnerait. Non, mais... Faut arrêter les conneries. Et puis imaginez, en plus, un lapin au téléphone. Bah, mais je suis pas né de la dernière pluie, vous avez cru que j'étais un enfant ou quoi? Ah, pardon mon petit, j'avais pas compris. Est-ce que tu peux me repasser ta maman? Mais non, mais arrêtez un peu votre cinéma, je suis pas un enfant, allez jouer autre part. D'accord, oui, est-ce que tu peux me passer le patron alors, s'il te plaît? Mais c'est moi le patron, il est con. Eh, dis donc, attention, je t'entends mon petit. Mais c'est moi le patron, qu'est-ce que tu me racontes? Ah oui, mais alors si on laisse les enfants patronner les bars maintenant. Que ça peut te faire, c'est pas ton café mon ami, qu'est-ce que tu me racontes? Bah, je suis pas sûr que ce soit légal déjà, un enfant qui sert à picoler. Ouais, bah écoute-moi bien. Viens, je te donnerai 200 balles et toi tu me donneras 600 euros alors, dans ce cas-là, ça te va? Oh là là, non, pas du tout. Bon, bah alors. Non, c'est pas grave, mais tu t'es complètement trompé. Mais j'en ai rien à faire. Ah ben, attendez, mais... Bonjour monsieur, vous êtes le papa du petit ? Non mais attendez, Votre gamin m'a proposé de passer tout à l'heure pour les 200 euros, donc... Ben, on va se voir tout à l'heure, mais je vous donnerai pas 200 euros, monsieur. Oui, mais alors le problème, c'est que sinon, vous me devez 1000 euros. De où vous avez vu ? Parce que j'ai parié 1000 balles avec mon beau-frère, donc si je perds à cause de vous... Ah bon, maintenant je vous dois 1000 euros. Ou alors, on peut s'arranger. Ah non, mais moi je... Non. Si, si, ce qu'on va faire, je vous fais le pari à 0 euros, ah ben... mais vous passez à la radio. Ah bah écoutez, c'est super. Enfin, vous n'aurez pas les 200 euros. Hein. Quoi ? Même si c'est la radio ? Même si c'est la radio. Et d'ailleurs, c'est laquelle à votre avis ? Rire et chanson. Bah oui, bravo, direct. Merci et au revoir monsieur. Bien, tout à fait, au revoir madame.